à tous, merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et oui, vous l'avez vu, c'est encore une vidéo produit terminée. J'en ai vraiment terminé beaucoup. Enfin, pour moi, hein. Il n'y en a pas que 5 là, je peux vous le dire. Donc, je vais vous les présenter, je vais en discuter un petit peu avec vous. Est-ce que je vous les conseille, est-ce que je ne vous les conseille pas? Et n'hésitez pas, au fur et à mesure, à me dire dans les commentaires si vous avez déjà eu l'occasion de tester ces produits, ce que vous en avez pensé, voilà. Partagez un petit peu votre expérience avec les produits que vous avez pu voir dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Ça me ferait extrêmement plaisir de vous voir rejoindre l'aventure et ça m'apporterait énormément de soutien. Allez, je vous propose qu'on passe tout de suite aux produits parce que j'en ai vraiment pas mal à vous présenter. Premier produit que j'attrape, c'est celui-ci. Donc c'est un produit de la marque Bioderma et c'est le Créaline H2O. Donc ce produit, en fait, ça fait vraiment quelques années, hein, si ce n'est pas 2 ans que je le traîne dans mes placards. Je l'avais reçu, il me semble, dans une Birchbox à l'époque. Mais le souci, c'est que là, il fallait vraiment que je le termine, hein, parce qu'il était dans ma salle de bain, j'en pouvais plus de le voir dans mon placard tous les jours, à moitié plein. Voilà, je me suis décidée à l'utiliser tous les matins, même si je suis vraiment pas une adepte des eaux micellaires. En plus, c'était pas un produit qui était spécialement destiné à mon type de peau, peau sensible pour le visage et pour les yeux. J'ai pas spécialement la peau sensible, donc ça avait tendance à m'assécher la peau, à me la tirailler un petit peu, donc vraiment pas fou comme ressenti. Et voilà, donc ça clairement c'est un produit que je n'irai pas racheter, parce que déjà je ne suis pas adepte des eaux micellaires, j'en utilise très peu. Sauf là, celle que j'utilise en ce moment, c'est vraiment pour vider les stocks que j'avais déjà. Donc voilà, sinon c'est vraiment pas des produits que j'utilise, et en plus ce n'est pas un produit qui était adapté à mon type de peau. Donc celui-ci, je ne le rachèterai pas, donc next. Ensuite, c'est... Ah oui, alors ça, j'en présente rarement parce que je les utilise quand j'y pense. Donc c'est un produit de la marque Clorane qu'on avait reçu en plus, il me semble, dans une prescription lab. C'était des patchs lissants défatigants au bleuet apaisant pour le contour des yeux. Et bien écoutez, très franchement, j'ai été agréablement surprise par ces patchs parce qu'en fait, ils étaient un petit peu en texture tissu. Enfin, c'était très agréable. C'était là sous les yeux, c'était tout doux. Et ils avaient vraiment un côté rafraîchissant qu'on n'a pas quand on a les patchs dans les mains, on ne le sent pas. Mais au bout de 15-20 minutes, on a vraiment un côté rafraîchissant qui apparaît sous les yeux et ça fait du bien. Donc c'est un bon produit. Après, de là, est-ce que j'aille le racheter? Non, parce que je les utilise quand j'y pense et j'y pense rarement. Mais en tout cas, c'était un très très bon produit et je l'ai beaucoup aimé. Donc si j'ai l'occasion d'en retrouver ou d'en recevoir dans les box, carrément. Ensuite, on arrive sur un flop ultime. Donc... il se présente comme ceci, le petit produit. Donc c'était de la marque Oblepica Siberica Professional et c'était un lait pour le corps qu'on avait reçu dans le calendrier de l'Avent Blissim. Vous voyez, hein, le format est ridicule, donc autant vous dire que pour utiliser déjà, c'est vraiment pas top. Pour vider, c'était comme ça, donc il fallait doser dans sa main. Mais ah, voilà, il avait une odeur, mais alors affreuse. Affreuse. Je pourrais pas vous dire c'était quoi l'odeur, mais alors une odeur vraiment mais désagréable. Enfin, en tout cas pour moi personnellement, j'ai vraiment, mais alors vraiment pas aimé ce produit. Déjà rien que par l'odeur qui était vraiment... moi, elle me gênait en fait, l'odeur, elle était très gênante. Et déjà, ben, pour tester, pas ouf. Et on était sur une texture très crémeuse qui avait vraiment du mal à pénétrer. Donc vous aviez les jambes blanches, clairement, les bras blancs. Ça mettait 3 plombes à pénétrer, l'odeur était vraiment désagréable. Perso, j'ai détesté ce produit. Clairement, j'en déteste rarement des produits, mais alors celui-là, vraiment... heureusement que c'était un petit flacon, vous me direz. Mais j'ai détesté l'odeur et la texture, franchement, c'est... gros flop. Donc vous voyez, j'essaye de vous mettre les tops par ici, les flops par là. Et voilà, mais en tout cas, ouais, le lait pour le corps, là, quelle horreur. Ensuite, ah oui, alors... c'est un produit de la marque Pélab et il s'agissait d'un masque pour le visage nourrissant et anti-stress à la fleur de bleuet et à l'huile d'onacre. Donc pour celles qui se souviennent, c'était en fait du gel comme ça bleu avec des morceaux de fleurs de bleuet à l'intérieur. Oh, il sentait tellement bon. J'ai adoré ce masque. Franchement, je l'ai terminé, vous voyez, là j'ai essayé de gratter au max mais... il n'y avait plus grand chose quoi. Donc on était sur une texture gel à appliquer sur le visage, à laisser poser 15-20 minutes et il avait un effet anti-stress. Alors, pour la peau, un petit peu, mais moi tout ce que je peux vous dire, c'était un masque qui était réconfortant quand on le portait au vu de l'odeur. Ça,
Vraiment, l'odeur était apaisante, relaxante, donc ouais, carrément anti-stress, carrément. Et en fait, après, il fallait le rincer à l'eau, donc vous mouillez vos doigts, vous veniez émulsionner le produit, ça se transformait en une espèce de lait un petit peu, ça devenait blanc en fait, blanc très liquide, et puis bah, vous rinciez après votre visage. Mais en tout cas, j'ai adoré ce produit, il avait vraiment un effet nourrissant par contre sur le visage. Anti-stress, je sais pas au niveau du visage, par contre, au niveau sensoriel, oui, c'était très apaisant. Et ben, je l'ai clairement adoré quoi. Et il avait vraiment un effet rafraîchissant et lissant sur le visage. Super agréable, j'ai adoré. Si j'ai l'occasion de le retrouver, je pense que je le reprendrai. Ensuite, on repart sur un produit de la marque First Aid Beauty. Donc c'était un nettoyant pour le visage. Élimine l'excès de sébum, les résidus de maquillage, la saleté, la crasse. Alors moi, ces produits-là, je les aime beaucoup de First Aid Beauty. En fait, on est sur une crème... très soyeuse, un peu nacrée, qui se transforme très vite en nuage en fait sur la peau. C'est très léger à appliquer, c'est très très agréable. J'ai adoré utiliser ce produit, franchement. Il avait vraiment un effet purifiant. Voilà, c'est ça. Ça purifiait vraiment le visage, mais sans agresser la peau, sans la tirailler, sans la sécher. C'était vraiment super agréable à utiliser. J'ai adoré utiliser ce produit. On l'avait reçu en tout petit format, ce n'est pas grave. J'avais eu l'occasion de le tester en grand format. Donc ça, c'était du revu pour moi, mais au top, parce que j'aime beaucoup cette marque. Et en plus, ce produit-là est vraiment très très efficace. Ensuite, j'ai terminé, tenez-vous bien, parce que c'est si rare d'en voir sur ma chaîne, un contour des yeux. Ouais, 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 ouais. Alors moi qui n'en utilisais jamais avant, j'ai réussi enfin à m'y mettre. Donc j'ai terminé ce contour pour les yeux de la marque Révolution. C'était Laura de la chaîne Alora Bora qui me l'avait envoyé durant notre swap. Et en fait, c'était un produit à la caféine qui s'appliquait avec un espèce d'embout gloss comme ça, là, sous les yeux directement. Et bah là, je l'ai terminé. Hein. C'est transparent de chez transparent et au fond, il n'y a quasi plus rien. J'ai bien aimé utiliser ce produit parce que ça m'a mis un petit peu à utiliser des contours des yeux matin et soir sans exception. Par contre, de là à aller le racheter, je ne pense pas parce que j'en ai encore plein en backup, hein, clairement. Après, il était vraiment sympa à utiliser. Je veux dire, j'ai pas eu d'effet négatif de ce produit. De là à vous dire qu'il y a eu des effets positifs, pas sûr non plus. Mais en tout cas, c'était agréable à utiliser. L'embout était assez original. Moi, j'ai trouvé l'idée très sympa. Mais voilà, contente d'avoir pu tester le produit et que ça ait réussi à me mettre enfin à utiliser des contours pour les yeux matin et soir, quoi. C'est surtout ça. Donc, produit très sympathique à utiliser. Et c'était un petit peu peut-être le côté what the fuck avec l'embout gloss comme ça qui m'a mis à utiliser ces produits-là, en fait. Donc, merci Laura, hein, si tu passes par là, de m'avoir permis de tester ça et enfin de m'avoir... aider à me mettre à utiliser ces produits-là, quoi, que je me rebutais à ne pas utiliser. Donc, bon produit, sympa à utiliser, de là vous dire qu'il y a des effets, pas sûr, mais en tout cas, j'ai adoré l'utiliser. Ensuite, on passe de nouveau sur les produits corps, donc c'est de la marque Nivea, et il s'agit d'une crème, en fait, pour le corps, soufflé perlé, noix de coco et huile de monoï. Alors... j'adore cette odeur. Donc vous voyez là, le pot il est vide de chez vide. Hein. J'ai gratté comme j'ai pu. C'est des produits que j'avais achetés, je crois, chez Action. J'en avais acheté deux, si je dis pas de bêtises. Donc là, le deuxième est toujours dans ma salle de bain. Celui-là, je l'ai enfin terminé. Mais j'ai adoré aussi ce produit-là. Il a une odeur, mais tellement enivrante. C'est très délicat au niveau de la noix de coco. On sent beaucoup plus l'huile de monoï qui prend le dessus. Et en fait, vous aviez des petites perles, donc c'est une crème à base d'huile, des petites perles huileuses à l'intérieur. Et quand vous veniez appliquer ça sur votre corps, en fait, la crème et l'huile se mélangeaient et ça donnait une texture très fluide. Et ça pénétrait très bien dans la peau. La peau, elle sentait bon, elle était hydratée, enfin voilà. C'est pas la meilleure crème hydratante par contre que j'ai pu tester, mais en termes de senteur et tout ça, elle était vraiment très très bien. Et en sortant de douche comme ça, je peux vous assurer que c'est un vrai vrai plaisir à utiliser. Donc franchement, ça c'est un top aussi pour moi. Et si vous avez l'occasion de les trouver dans vos magasins Action, n'hésitez pas parce que franchement, moi je trouve qu'ils sont vraiment sympas à utiliser. Ensuite, on repasse sur le visage. Alors, c'est un produit de la marque Uriage qui se présente comme ceci. C'était de la gamme Iseac et c'était le gel nettoyant purifiant.
en 50 ml, spécial peau grasse imperfection, reçu dans une My Little Box. J'ai adoré ce gel nettoyant, clairement. Il avait une texture... Alors, ça va peut-être me réconcilier avec les produits qui ne moussent pas, parce qu'on dit souvent, ouais, si ça mousse pas, ça nettoie pas, mais c'est faux, en fait. C'est psychologique. Même si ça ne mousse pas, ça nettoie votre visage. Et là, en l'occurrence, ça faisait une texture gel, ça nettoyait bien le visage, vous aviez la peau fraîche, la peau propre. Clairement, là-dessus, il n'y avait pas de doute. En plus, je crois que... Ouais. Par contre, il a une petite odeur un peu chimique, je trouve, qui est pas forcément agréable. Après, c'est mon point de vue perso. Niveau odeur, c'était pas foufou. Par contre, niveau nettoyage, on était bon, quoi. On était vraiment dans ce qu'il fallait. La peau était propre, la peau était nettoyée, purifiée. Donc, pour les peaux mixtes à grasse, ce produit, il est vraiment topissime, quoi. Il y a pas à dire, il est génial. Mais de là à aller le racheter, je ne sais pas, parce que j'en ai découvert un incessamment sous peu que j'adore utiliser et il ne mousse pas. Oui, oui, il ne mousse pas. Donc moi qui recherche que des trucs qui moussent, je vais peut-être aussi réussir à me concilier avec les produits qui ne moussent pas. Mais en tout cas, très très bon produit en termes d'efficacité, il n'y a pas à dire. De toute façon, les produits Uriage, c'est top, top, top. Surtout en ce qui concerne les peaux mixtes à grasse comme moi. Notamment leur crème d'eau qui pour nous est super parce que ça ne donne pas de brillance, ça hydrate juste ce qu'il faut, c'est top. Enfin franchement les produits Uriage, c'est moi je les aime beaucoup et j'ai adoré ce nettoyant. Donc pourquoi pas si un jour j'ai l'occasion de retomber dessus en format vente. Mais si vous avez la peau mixte à grasse comme moi, je vous invite à l'essayer, à le tester, à regarder sur Vinted ou autre. Mais il est vraiment très très bien. Ensuite, toujours dans les produits pour le visage, je vous propose un tout rikiki format, un format miniature de la marque Yugens, qu'on avait reçu dans une blissime. Alors c'est l'élixir visage, élixir nuit, donc on l'a également reçu en grand format dans une prescription lab. Moi ce produit-là c'est un inconditionnel, c'est un top de chez top. Je suis très contente d'ailleurs de l'avoir de nouveau reçu en format full size. Il est génial, je trouve qu'il est très très bon en termes d'efficacité. Il a des odeurs d'huiles essentielles à tomber. Alors, faut aimer les huiles essentielles, hein, parce que tout le monde n'aime pas. Mais il a une texture un peu huileuse, un peu grasse, forcément. Mais à appliquer sur le visage le soir, ça chauffe légèrement le visage. Mais qu'est-ce que c'est agréable, réconfortant. Enfin, moi, en tout cas, c'est un produit que j'adore, que j'ai déjà eu l'occasion de tester à plusieurs reprises. Et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Format pipette, ce qui nous permet vraiment de doser nickel. Franchement, j'adore ce produit et pour moi, c'est un incontournable. En fait, dès que j'ai l'occasion de pouvoir le recevoir, c'est avec plaisir que je le teste parce qu'il n'est pas donné. Je crois qu'il est une trentaine d'euros sur Blissim. Donc, si c'est pas une quarantaine, moi, j'adore. Franchement, ce produit-là, j'adore. C'est un incontournable. Et même si ça a une texture un peu grasse pour les peaux mixtes à grasse, c'est pas grave. Ça va pas vous graisser encore plus la peau au matin. Ça pénètre et en fait, le lendemain matin, vous n'avez plus rien. Mais sur le coup, ça peut peut-être en déranger certaines si c'est un peu huileux. Mais moi, j'aime bien avoir le visage un peu gras, un peu huileux au moment d'aller me coucher. Je trouve que c'est ultra réconfortant. Et gros top aussi pour ce produit, mais c'est pas la première fois que je le teste. Mais franchement, si vous avez l'occasion, testez-le parce qu'il est vraiment très très bien. Ensuite, c'est un produit que vous avez déjà vu passer sur ma chaîne. C'est le fameux démaquillant Glime. Donc là, c'est celui que Laura, pareil, m'avait envoyé dans le swap que j'ai enfin terminé. Donc c'est un baume démaquillant qui est mais alors formidable. Moi je l'aime beaucoup, il ne fait plus partie de mes chouchous, hein. je l'adore, hein. Mais le baume démaquillant de chez Sephora l'a détrôné clairement. Il est très très bien pour démaquiller le teint, pour démaquiller les yeux, il est super efficace. Franchement niveau efficacité, il n'y a rien à dire, il gère, il fait le taf quoi. Par contre, moi, ce qui m'a dérangé avec ce produit, en fait, après l'avoir retesté en grand format comme ça, c'est que quand vous l'appliquez sur le visage et que vous venez émulsionner et rincer, vous avez toujours l'impression qu'il y a une espèce de couche qui reste posée sur le visage, alors que c'est pas le cas, mais ça donne vraiment cette impression. Et elle disparaît quand vous venez essuyer votre visage avec une serviette. Donc ça, c'est un petit point qui me dérangeait avec ce démaquillant, chose que je n'ai pas avec le démaquillant de chez Sephora. Donc c'était vraiment le seul petit point négatif de ce produit, c'est vraiment le film qui peut laisser sur le visage, mais en tout cas, excellent produit. Si vous n'avez pas essayé, je vous le conseille, ça reste un excellent produit, une très très bonne marque, et niveau efficacité, il n'y a franchement rien à dire, donc gros gros top encore une fois. Ensuite, toujours pour le visage, c'est un produit de la marque Garantia, pareil que je traîne depuis je sais pas combien de temps dans mes backups, donc là il était ressorti. C'est le Que mes rougeurs disparaissent, le sérum concentré aux actifs anti-rougeurs apaisants. Alors, quand vous sortiez le produit, en fait il y avait une petite couleur un peu orangée, rougeâtre,
qui disparaît totalement sur le visage. J'ai bien aimé utiliser ce produit. De là à vous dire qu'il y a une réelle efficacité par contre anti-rougeur, je ne sais pas. Franchement, j'ai pas du tout vu en fait de différence. Moi, j'ai pas beaucoup de rougeur, donc peut-être que aussi ça joue, c'est fort possible. Mais en tout cas, j'ai vu aucune efficacité en termes d'anti-rougeur. J'en ai pas, donc voilà, ça s'explique. Par contre, très très agréable à utiliser, on est sur une texture un peu gel eau, mais c'est un sérum, donc qui pénètre très bien dans la peau, qui disparaît quasi instantanément. Vous pouvez appliquer votre crème de jour quelques secondes après, il n'y a aucun souci. C'est un très bon produit, donc si vous avez des rougeurs, n'hésitez pas à me dire est-ce qu'il a fonctionné sur vous, est-ce que vous avez eu l'occasion de le tester, mais en tout cas, j'ai bien aimé l'utiliser, même si pour moi, il n'a pas vraiment eu d'efficacité. Mais j'ai adoré la texture, l'odeur, le produit, tout. Franchement, il était vraiment très très sympa à utiliser. Ensuite, un produit cheveux, et oui, donc c'est de la marque René Furterer. Donc c'était le Absolu Kératine sans rinçage, cure renaissance, crème de beauté réparatrice, cheveux abîmés, fragilisés. Donc ça, vous savez, c'est le genre de produit qu'on applique sur les pointes et les cheveux après la douche, qu'on laisse sur les cheveux puis on peigne. Franchement, ce produit-là, clairement, c'est produit, hein, clairement, il n'y a pas que celui-là, mais les produits à mettre sur les cheveux après la douche, je ne vois jamais aucune efficacité. Est-ce que c'est eux qui fonctionnent? Est-ce que c'est mon masque que je fais sous la douche? Est-ce que c'est mon après-shampoing? Je ne sais jamais. Moi, ces produits-là, clairement, je ne vois aucune utilité à les utiliser parce que j'ai l'impression que ça ne change absolument rien. Voilà. Donc, ce produit, clairement, pour moi, ça a été un flop. J'ai vachement eu de mal à le terminer. Il ne régressait pas mes cheveux derrière, mais j'ai vu aucune utilité à ce produit. Enfin, franchement... C'est comme ça avec tous les produits pour les cheveux, hein, vous me direz. Mais j'ai pas du tout kiffé l'utiliser. J'ai mis grave du temps à le terminer en plus. Donc voilà, c'est pas un produit qui m'a marqué, encore moins qui m'a conquise. Donc pour moi, c'est un flop. Il nous reste deux produits pour terminer. Donc un produit de la marque Saeve qui se présente comme ceci en tout petit format. Donc c'est le Pure Paradise Sérum Botanique Purifiant Anti-Imperfection. Donc là je l'ai utilisé qu'en petit format, donc pour le coup je ne peux absolument pas vous donner d'avis parce qu'en 5 utilisations clairement il était torché le produit, il n'y en avait plus. Par contre j'ai beaucoup aimé l'odeur, il a une odeur vraiment botanique, florale, tout ça qui est extra. Il ne se combine pas avec toutes les crèmes, attention parce que chez moi ça peluchait énormément sur ma peau. Mais franchement je peux pas me prononcer sur ce produit parce que vous voyez hein, le format est ridicule, donc voilà, je l'ai testé, sur moi il a peluché avec certaines crèmes, il fallait bien regarder les composants à chaque fois, voir si ça matchait ou pas. Bon, c'est pour l'instant pas un produit que j'irai racheter, si j'ai l'occasion de le tester en plus grand pourquoi pas, mais il m'a pas conquise plus que ça pour l'instant quoi, puis j'ai pas trop eu le temps de l'utiliser non plus. Et un autre produit que je n'ai pas non plus l'habitude de terminer entre nous, une crème pour les mains. Ouais, ça y est, je m'y suis mise aussi. Non mais vous savez, moi il me faut un bon coup de pied aux fesses pour me dire bon, ok, t'as 40 crèmes pour les mains, maintenant va falloir y aller ma cocotte et va falloir les terminer. Ouais, celle-là, ça fait un bail que je l'ai, hein. Édition limitée, blissime, splendiste même de je ne sais plus quelle année. Donc c'est la crème pour les mains de la marque Sanoflore. Et en fait, elle était nourrissante et aromatique, donc pour se relaxer. Et en fait, derrière, vous aviez un petit écriteau qui vous disait que vous appliquiez la crème sur vos mains. Et après, ce que vous faisiez, c'est que vous veniez renifler vos mains. En fait, vous sentiez l'odeur. Ça, mais alors, qu'est-ce que c'était plaisant! En fait, c'était en plus à... la fleur d'oranger, donc huiles essentielles d'orange douce et camomille bio. Mais alors, la fleur d'oranger, l'orange, tout ça... C'est... Mais alors, effectivement, ça a vraiment un côté relaxant, apaisant. Et quand vous veniez en plus le sentir dans vos mains, c'était, mais, c'était top. Franchement, il n'y a pas d'autre mot que c'était vraiment incroyable. Elle hydratait très bien les mains. Par contre, elle avait un côté un peu gras. Donc si vous êtes fan des crèmes pour les mains, je vous conseille d'essayer celle-ci qui, en plus, vous permet de venir la sentir après pour vraiment vous donner un effet apaisant, relaxant, qui est très très agréable. Et ça a été un gros gros top cette crème. Je suis pas du tout crème pour les mains, mais alors celle-là je l'ai vraiment appréciée pour le coup, et c'est rare, faut le noter. Donc si vous aimez les crèmes pour les mains, je pense à Emily notamment qui adore ça, testez-la parce que celle-ci est vraiment très 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 agréable et je pense qu'elle vaut le coup d'être testée. En tout cas moi qui n'aime pas forcément ça, je l'ai bien appréciée celle-là. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour, ouais, j'ai fait le tour, je n'ai plus de produits à vous présenter, vous me direz là j'en avais un sacré paquet à vous présenter.
Donc voilà, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire s'il y a des produits que je vous ai présentés que vous avez déjà testés, est-ce que vous les avez aimés, est-ce que vous ne les avez pas aimés. Vraiment, donnez-moi vos avis, vos ressentis, vos expériences avec ces produits, j'ai vraiment hâte de vous lire. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de flops, hein, y en a 4. Et sinon c'est que du top. Là j'ai rarement été déçue, hein, avec ces produits là. Mais voilà, je suis vraiment contente de ce que j'ai pu tester jusque là. Donc n'hésitez pas non plus à me faire vos retours. Et moi sur ce, je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.